C'est un grand moment, évidemment, pour les joueurs, pour tout un pays. C'est l'heure de leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde. On se retrouve dans un instant à l'Al Bayt Stadium pour vivre ça ensemble. C'est l'un des joyaux de la péninsule du Qatar. Bienvenue à l'Al Bayt Stadium. Le coup d'envoi ne va pas tarder. Au commentaire, Benjamin Da Silva est celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. Au menu, le premier match de groupe pour ces deux pays dans ce mondial. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. On ne peut pas être indifférent à un match de Coupe du Monde. Tu as toujours les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux quand ça commence. Et voilà la composition officielle de cette formation. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Voici le 11 qui va débuter pour la Croatie. Dans le but, on retrouve Livakovic. Luka Modric sera épaulé par Brozovic au milieu. Et pour terminer en attaque, c'est Andrej Kramaric. Et voilà, c'est parti pour ce match de poule de Coupe du Monde. Faute là sur ce tacle, attention, que va dire l'arbitre là-dessus? À peine commencé et déjà averti sur ce ballon, ça va être délicat pour la suite du match. Sans doute, parce qu'il va falloir maintenant jouer sur la réserve tout le reste de la rencontre et éviter de prendre un autre carton. Ballon pour Sofiane Boufal. Ballon pour Mazraoui. Et bon retour là pour couper cette offensive. Luka Modric. Ah, il s'est donné en profondeur. Ah, quel dommage, ça ne donne rien. C'est une interception réussie en pleine surface. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Le ballon pour Hakim Ziyech. Avec Pasalic maintenant. Ça, c'est un super élément évidemment de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Voilà, on connaît sa capacité à faire circuler le ballon, à établir les connexions entre les lignes. C'est une capacité impressionnante à faire circuler le son dans le corps de l'équipe. Kovacic. Ballon pour Perisic. Kramaric. C'est pour Borna Sosa. Luka Modric. Ah, le ballon change de propriétaire. Boufal.
Mais oui, bien vu la passe. Avec Mazraoui maintenant. Bouffal reçoit le ballon. Bien placé là, Enesiri. Allez, bien tenté, bien essayé, mais c'est une frappe pour le gardien. Matteo Kovacic. Kovacic. Andrei Kramaric. Ballon vers Kramaric. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Youssef El-Nesyri. Avec Mazraoui maintenant. Ballon pour Sofiane Boufal. Ouais, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Pasalic. Luka Modric. Peut-être un bon mouvement offensif pour la Croatie. Mario Pasalic. Le ballon pour Brozovic. Pasalic. Ouais, c'est contré. Bonne défense. El-Nesyri reçoit le ballon. Ah, même le public là veut une frappe. Et c'est une frappe. Oh, le plongeon de Livakovic. Le corner. Un bon pressing. Ballon récupéré. Le ballon pour Hakimi. Le ballon sur Ziyech. Il n'y a aucun souci pour Livakovic là-dessus. Aguerd. Ballon pour Sofiane Boufal. Le ballon sur Ziyech. Excellent timing sur cette interception. Kramaric. Ballon vers Kramaric. Attention pour mener au score peut-être. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure physionomie possible. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Youssef El-Nesyri. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Le ballon sur Ziyech. Attention la frappe. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. On n'est pas passé loin des légalisations avec cette frappe. Cet arrêt est absolument décisif. Ouais, mais attention, quelque chose me dit que c'est pas complètement fini. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Oh, la frappe, c'est contré sans problème. Modric. Oui, le ballon est intercepté.
Gvardiol avec Pasalic maintenant. Brozovic, Modric. Ah, il perd ce ballon. Et ça joue sur Ziyech. Avec Pasalic maintenant. Perisic. Gvardiol. Luka Modric. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Avec Mazraoui maintenant. Poufal reçoit le ballon. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Ballon pour Sofiane Boufal. Boufal reçoit le ballon. Et les passes s'enchaînent. En-Nesyri reçoit le ballon. Le ballon rendu à En-Nesyri. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Brozovic. Marcelo Brozovic. Ah, bien joué, pas de faute là-dessus. Ballon pour égaliser. Ballon contré, mais ça revient. Oh oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Et oui, pourquoi pas, ça part directement dans la surface. Goal, 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 goal. Et voilà ce but qui vient ramener les deux équipes au même niveau. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond du filet. Magnifique. Ah, le score de parité est donc un partout. Oh, la grosse faute là, mais ça c'est carton rouge. Oh, le carton rouge! Attention, parce que cette exclusion peut tout changer dans ce match. Trop précis et ballon récupéré très haut. Ballon pour Mazraoui. Le ballon sur Ziyech. Le ballon pour Hakim Ziyech. Avec Mazraoui maintenant. Oh, le plongeon de Livakovic. C'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger.
occasion avec cette frappe. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Bouffal reçoit le ballon. Oui, c'est contré, bonne défense. Ah, la faute, elle est grossière et le geste est pas du tout maîtrisé. Attention, est logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Brozovic. Très bonne conservation de balle en attendant du renfort. Borna Sosa. La balle vers Modric. Kovacic avec le ballon. A capté sans aucun problème ce ballon par Bono. Très bonne couverture de balle. Ballon vers Kramaric. Et le ballon change de propriétaire. Youssef El-Nesseri. L'arbitre qui siffle à l'instant et indique donc la pause ici à l'Al Bayt Stadium. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de cette rencontre de phase de poule du Mondial. Et c'est pour Kovacic. Grosse occasion là. Kovacic. Allez contrer cette frappe. L'attaque se poursuit, balle au pied. Et ça joue vers Modric. Ça revient sur Luka Modric. Oh, le ballon intéressant. Goal, 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 goal. En infériorité numérique. Un but qui vient à la suite d'une grosse pression. Finalement, le ballon est bien défendu. Et puis, ça arrive à son but de manière un peu inespérée, il faut le dire. Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1. Ah, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Oh, le super geste défensif. La possession leur échappe. Hakim Ziyech. El-Nesseri reçoit le ballon. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Le ballon sur Ziyech. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. Et voilà un nouveau corner.
C'est bien parti pour ce corner. Et la tête sur ce corner, malgré la pression de la défense. Quel ballon dans le dos de la défense. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Passe à Bic. Ballon pour Modric. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Et ce centre vers le point de pénalty. Non, ça passe pas, aucune chance. Ballon dégagé. Ah, y a une bonne transition en attaque à négocier. Ballon intercepté, bonne intervention. Et belle passe en profondeur. Kovacic. Oh oui, but ! Et c'est le doublé ! Quelle classe ! Quelle réussite ! Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Allez, donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Et une passe dangereuse, mais trajectoire bien coupée. Marcelo Brozovic. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Un ballon récupéré. Et ça joue, Youssef El-Nesseri. Ballon pour Sofiane Boufal. Et l'opportunité pour revenir à une longueur. C'est contré, mais ça va revenir. Et c'est le but, mais attention, oui, le drapeau s'est levé, hors jeu signalé. Ça doit vraiment se jouer à rien du tout, là. C'est la pomme d'Adam qui dépasse. Matteo Kovacic. Mais ce ballon est récupéré. Andrei Kramaric. Modric. Ballon dangereux en profondeur. Et peut-être un bon contre à négocier là. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Brozovic. Luka Modric. Kovacic avec le ballon. La balle pour Perisic. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Kramaric. Et c'est dedans. L'écart se creuse un peu plus avec ce troisième but. Regardez, la difficulté, ce n'est pas la technique quand on est si près du but. Le plus difficile, c'est le timing. Être là, ni trop tôt, ni trop tard. On récapitule, ça fait donc 4-1. Super progression dans la moitié adverse. Ballon vers Kramaric. Excellente intervention, ça sort en touche. Matteo Kovacic. Brozovic reçoit le ballon. Et la défense dégage en corner.
Et ce corner est joué court. Et ça joue vers Modric. Ah non, c'est contré. Ça joue avec Bardiol. Intervention du gardien. Le corner. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Brozovic. Ça passe par Andrei Kramaric. Pasalic. Ah, le ballon est perdu. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Ce coup franc semblait bien parti. Dommage qu'il vienne s'éloger juste au-dessus de la barre. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Et ça joue sur Ziyech. Et maintenant Hakimi. Le ballon pour Hakim Ziyech. Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe, quelle présence. Vraiment une intervention de très grande classe. Ah voilà, ça va bouger, du changement à venir pour les deux équipes. Corner. Pasalic. Lovren Bayer en seul ballon. La balle pour Perisic. Et c'est récupéré ça. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Pasalic. Le ballon pour Mateo Kovacic. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Oui, la bonne protection de balle pour fixer la défense et faire remonter le bloc. Ouais, bonne intervention du gardien. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Il est joué court. Perlon vers Kramaric. Ça passe par Domagoj Vida. Vida. L'occasion de faire parler sa frappe. Un bon pressing et ballon récupéré au milieu de terrain. Ballon vers Kramaric. Ballon vers Kramaric. Ouais, c'est contré, bonne défense. Kovacic avec le ballon. Oui, il faut frapper maintenant.
Et le contre est possible maintenant. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Et attention, ça peut payer là-dessus. Et la frappe peut-être. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Lovro Maier. Ouais, c'est très bien défendu. Ziyech. Et c'est bien donné dans la profondeur. Et oui, but. Un but pour réduire l'écart. Mais vu le chrono, ça va être compliqué quand même de revenir. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Ah, et beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Kramaric. Bonne couverture du ballon. Ah, il faut lui proposer des solutions. Lovro Maier en seul ballon. Avec Masalic maintenant. Ah, voilà, il protège bien son ballon. Et c'est pour Kovacic. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Perdant vers Kramaric. Kovacic. Oh non ! Pour la détente ! Ah, le corner bien tiré. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Ah, il y a un peu d'espace dans l'axe. Oh bon non ! Qui sort ce ballon ! Exceptionnel ! Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et ce corner est dégagé par la défense. Ah, excellente couverture de balle pour résister à la pression. Oui, ce ballon est intercepté. Le ballon pour Hakim Ziyech. Oh, la bonne frappe! Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Très bonne couverture de balle. Et l'arbitre met maintenant un terme à ce match. On va en rester là. Une défaite à la maison, c'est jamais bon. L'équipe est venue et elle a mis la nappe, les fleurs, et elle a tout préparé. Mais à la fin, c'est l'autre qui a tout emporté. C'est dommage, mais si tu n'es pas efficace défensivement, tu ne peux pas s'attendre à grand-chose d'autre.